Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, je vais parler en français. Si vous comprenez l'espagnol, venez me voir. Hola a todos y a todos. Hoy voy a hablar solo en francés. Porque este libro acá está en francés. Entonces, voy a leer este libro en francés. Pero si ustedes no comprenden el francés, pueden solo traducirlo en español. ¿Ok? Comencemos. Zibel y Zed. Zibel y Zed. Apprends un avantage sur tes personnages préférés. La BC Mobile est le véhicule dans lequel Zibel et Zed habitent et se déplacent. Zibel est courageuse et amie partager sa passion de la lecture. Grâce à ses gants magiques, les idées imaginaires deviennent réelles. Zed, fidèle ami de Zibel, est un hamster espiel qui adore les aventures que lui font vivre les livres. Rudolf, le populaire petit renne au nez rouge, mène l'attelage du Père Noël lors de ses livraisons de cadeaux. Suivante page. Zibel et Zed se préparent pour la fête de Noël qui s'approche. Il y a de l'excitation dans l'air. Après avoir décoré la BC Mobile avec ses guirlandes et des lumières de toutes les couleurs, ils sont façonné un bonhomme de neige. On a bien travaillé, mon cher Zed. Il ne manque que le nez, dit Zibel à son fidèle ami. Le petit hamster croque dans une carotte avant de l'installer au centre du visage du bonhomme de neige. Il se précipite aussitôt vers l'intérieur du véhicule. Allons cuisiner des biscuits maintenant. Suivante page. Siguiente. Zibel ajoute les ingrédients dans un bol pendant que Zed mélange le tout à la cuillère. Des parfums de vanille et de chocolat chatouillent le mousseau de Zed. Impatient de déguster un biscuit chaud. Voilà, tout y est. Dit-elle en étalant des pieds boulés du mélange sur une planque à biscuits qu'elle met au four. Miam, on va se régaler, dit le hamster en se léchant les babines. Va choisir un livre. Je te rejoins avec les biscuits, dit Zibel en faisant le ménage de la cuisinette. Zed ne se fait pas prier, c'est
et se précipitait dans la bibliothèque pour reprendre un bouquin et s'installer confortablement près du sapin. Ça sent tellement bon, dit-il en reniflant l'air. Siguiente página, suivante page. Bien blottis l'un contre l'autre, Zibel et Zed commencent la lecture de l'histoire du petit renne au nez rouge. En grignotant un délice aux pépites de chocolat. Délicieux! S'exclame le rongeur, la bouche pleine après quelques bouchées. Il plonge ensemble dans le livre. Soudain, Cybèle lève les yeux et constate qu'ils sont près d'un foyer dans une petite maison remplie de cadeaux. Mais où sommes-nous? Se demande-t-elle. Entourer les cer des certains de cadeaux, Cybèle et Zed constatent qu'ils sont seuls dans la maison. Soudain, une voix se fait entendre à l'extérieur. Rudolf! Où es-tu, Rudolf? En sortant, Cybèle et Zed font face d'un petit lutin qui semble découragé. Il est seul, paré d'un traîneau sans attelage. Qui êtes-vous? Vous avez vu Rudolf? Demande le lutin. Je m'appelle Cybèle et voici Zed. Qui est Rudolf? Ce n'est pas le prénom du petit renne au nez rouge, demande Zed à son ami. Que perdieron a Rudolf. Zed a vu juste Rudolf et bien le petit renne au nez rouge. Le lutin explique que le renne est introuvable et que le temps presse. Il doit changer de traîneau. Mais sans Rudolf, le Père Noël ne peut pas faire sa livraison de cadeaux. Il a disparu et les autres rennes aussi. Mon parent sera là bientôt. Est-ce que je vais lui dire? Dit-il les larmes aux yeux. Ne vous en faites pas. On va le retrouver probablement, dit-elle au lutin Paris. Cybèle et Zed suivent les traces dans la neige que les rennes ont
laissés derrière eux jusqu'à une clairière. Ils ont arrêté devant un petit troupeau de rennes. On cherche Rudolf. Vous l'avez vu? Demande Z. Il est là, près du grand sapin. Son nez est étonnant. Il est inconsolable, répond un renne découragé. Si belle se dirige vers le petit cervidé en sortant le livre du petit renne au nez rouge de sa poche. Bonjour.